Alors comme ça, tu as battu la reine serpent. J'avoue que c'est classe. Tu dois être en super forme. Ouais, je suis une dure. Coucou. Il faut qu'on se renforce si on veut rivaliser. Je crois qu'on ne découvrira rien de plus à Kaanu. Pourquoi vous partez pas puisque vous êtes libre? C'est un peu gênant. Quelqu'un a volé son crâne. Quoi? Ne dis pas à tout le monde... Ne le dis pas à tout le monde non plus. Ton crâne? Coucou. Ouais, Xibosh est carrément mort en fait. Ouais, qu'est-ce que vous faites encore ici alors? Ne le répète à personne, mais on a défié les seigneurs de l'enfer à une partie de Chachi Ball. Ils ont tué notre père et notre oncle. Ils étaient jumeaux en plus. Ouais, c'était génial. Coucou, coucou! Ah, salut Nuna. Bon, sinon... Il m'a parlé! On avait décidé de se venger et tout, mais ils nous ont piégés avant le match et Kamatsos a arraché la tête de mon frangin avec les dents. Mais quelle honte! Faut que je tape sur quelque chose et vite! Donc il est coincé ici car son âme est liée à son crâne. Il est par ici, mais entre les mains de Kamazox. Et si on bat ce Kamazox là, vous pourrez aller où vous voulez? C'est ça, mais il nous a déjà battu et là je suis un fantôme donc... Je peux m'en charger à ta place? Ah vraiment? Tu me rapporteras mon crâne? Bien sûr! On s'occupe de ton crâne! Merci! Kamazox est sûrement à la surface, il passe généralement son temps à l'ouest de la ville. Alors on sait où est-ce qu'on doit aller au moins. Ah, c'est sûrement Kamatsuz. On vient chercher le crâne de Kibosh, pauvre naze. Encore de la viande. Je vais dévorer votre cerveau et avaler votre âme. Mais bien sûr, crétin. J'ai mis en stock pour attaquer les ennemis en vol. La technique numéro 2, mais il faut que j'attende que je sois au niveau 2. C'est quoi ça? C'est en plus un bruit de Pokémon quand tu attaques. Par contre là il devient assez chiant là. Ah ah, tu pensais vraiment pouvoir me toucher là? On est revenu. Mal animal. Allez, faut le faire au... Faut le faire au dernier moment, je crois avoir compris bien l'idée, mais... Du mal. Bon ok, il est imbattable en fait. C'est ça, il est imbattable. Au revoir. Ok, alors dans ces conditions, il faut changer la team. Et on va faire une team full destruction.
changer. C'est pas que ça que je voulais faire comme changement. Il est où? Il est là. Voilà. Là, et là, on va te dégommer, machin. Oui, blablabla, on connaît la chanson. Allez, maintenant, tout le monde tape. À l'attaque! À l'attaque! À l'attaque! À l'attaque! Attaque! Oh non! Oh, j'ai réussi! Putain! Mais il est chiant à faire ça! Oh mais merde! Un génie pour comprendre qu'il allait focus. Allez, l'archer. Il recharge quand il veut, hein, le... espagnol là. Il va tomber dès que l'autre aura chargé son arme. Sorry, but it's over. Il va tomber.
Et voilà! Dégueu, il a vomi un tas de crânes! Joli. Razmi, tu es ici depuis quand? Depuis que tu as enchaîné les mots vomi et crâne. Ah oui, je comprends mieux. Lequel est le sien? Celui-ci, là-bas. Ça se voit à la forme. Trop bizarre, les fans de sport. C'est immonde. Je vais le chercher. Ça alors, tu l'as ramassé. Ouais. C'est visqueux. Ouais. Rapportons-le à mes copains. Je veux dire, Ushnoun et Kibash. Ouais, mais avant ça, rechangement d'équipe, là. Voilà. Non, mais oh. La team gagnante, hein, voilà. Là, on était face à un ennemi un peu particulier, donc voilà, hein. C'est pour ça qu'on a un petit peu galéré. Sinon, il y a vraiment rien d'autre par ici? Si, on voit bien qu'il y a en fait toute une autre zone, mais... Bon, allez, on descend, on ramène ça à nos copains. Mec, c'est carrément mon crâne! Énorme, frangin! Coucou! À pouvoir aller où ça nous chante! Dis, frangin, ça te dit de... Ouais, mec! Ajna, on veut venir avec toi, t'es carrément trop forte. Entraîne-nous, coach, pour qu'on puisse battre les seigneurs de l'enfer. Ah, ça marche. Merci, coach. Ils viennent avec nous et... Au choc, qui mange. Salut les kikias. Alors, attaque successive. Une fois la balle lancée avec attaque, la touche attaque à nouveau au bon moment pour... ouais, d'accord. Partage et échange de corps. En servant, utilise un pour échanger les rôles. Balles différentes. Les balles solaires d'Ushua infligent des dégâts physiques mais génèrent moins d'idine. La balle lunaire de Kibosh inflige des dégâts magiques et génère plus d'idine. D'accord, ok. Ouais, bah ils sont là, mais... Alors maintenant... Non. Concernant la carte...